Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Un incendie dévastateur a eu lieu près de la marina hier soir. Nous avons recueilli le témoignage des habitants. Elle touche chaque jour 30 000 personnes dans le monde. La tuberculose est bien loin d'être éradiquée. Et enfin, une formation pour apprendre à utiliser son téléphone portable, un véritable appui pour le troisième âge. Les flammes étaient visibles depuis la route hier soir. Plusieurs cases ont pris feu à deux pas de la marina du Gosier. Les moyens ont pu heureusement être déployés rapidement sur place et aucune victime n'est à déplorer. En revanche, certaines personnes ont tout perdu dans cet incendie. Reportage de Marius Mathieu. Des visages désespérés, parfois silencieux. Certains habitants de ce quartier de Blanchard ont tout perdu dans la nuit. En tout, 6 habitations ont été réduites en cendres lundi après-midi. Il aura fallu l'aide de 33 sapeurs-pompiers pendant plusieurs heures pour venir à bout des flammes. La population sur le bord des cendres de Blanchard. Le risque de propagation du feu dans ce secteur où les maisons sont collées les unes aux autres était immense. Si le monsieur là n'avait pas laissé son canari sous le feu, partir aller regarder la télé. C'est ça la raison, on est sûr. Mais oui, c'est la raison. Parce que lui-même, quand il est venu, il a dit « Oui, mon repas, mon manger !» Il est où ce monsieur? Ah, je ne sais pas, je ne l'ai jamais revu. Parce que si je le voyais, je lui tiens par le cou. J'ai tout perdu. J'ai rien. J'avais refait tout mon mobilier. J'ai tout perdu. Tout. Je n'ai rien. J'ai pas de vêtements, j'ai pas de chaussures. Je suis nu. Sous la chaleur des flammes, les tôles qui constituaient le toit de ces maisons se sont tordues. Et les matériaux en plastique ont tous fondu. L'approvisionnement en eau défectueux sur le secteur aurait rendu difficile le travail des pompiers. Ah ben ouais, il y a le lit de ma grand-mère en face, je reconnais son lit. Il y a la voiture de mon oncle qu'il a acheté il y a que 2 jours, qui a pris feu. Et tout a pris feu, hein, tout a cramé et voilà. Je pense que si les cavernes d'eau étaient respectées, étaient aux normes, parce que celui qu'ils ont trouvé vers Blanchard, eh ben, il n'y avait pas moyen de l'ouvrir. Donc ils ont été à Fouilleul, à l'université, et puis il n'y avait pas de pression d'eau. Il n'y avait pas de pression d'eau, c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc les autres riverains, les autres voisins qui voyaient que le feu arrivait sur leur maison, vraiment étaient très mal en point et vraiment c'était dur. La ville des Abîmes a promis de tout mettre en œuvre pour nettoyer la zone et reloger la dizaine de victimes. Par miracle, aucune d'entre elles n'a été blessée. Et un autre incendie s'est déclenché aujourd'hui à Jarry. Il s'agissait cette fois-ci d'un incendie sauvage. C'est une des conséquences de la période de sécheresse que nous traversons actuellement. Une période durant laquelle le niveau des cours d'eau a fortement baissé en Guadeloupe. Le CIEG a d'ailleurs annoncé un renforcement des tours d'eau pour les prochains jours. C'est une maladie méconnue mais qui touche pourtant un tiers de la population mondiale. Il s'agit de la tuberculose. Chaque jour, près de 30 000 personnes la contractent dans le monde. Pourtant, la maladie est bien loin d'être inévitable. C'est la raison pour laquelle le Centre de lutte anti-tuberculose a organisé une matinée de prévention ce matin. Nous nous sommes rendus sur place. C'est une maladie que l'on pensait éradiquée depuis très longtemps. Pourtant, la tuberculose est encore bien présente sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle le Centre de lutte anti-tuberculose a organisé une matinée de sensibilisation dans un lycée de Petit-Bourg. Et les élèves présents ce matin ont pu lever le voile sur cette maladie. Je ne connaissais pas particulièrement cette maladie. J'avais entendu parler, mais pas vraiment. Mais ça choque un peu de voir que c'est assez important comme ça. Et on a appris que c'est une maladie infectieuse, contagieuse, qui peut être mortelle si on n'a pas le traitement pour. En effet, près de 4500 personnes meurent chaque jour de cette maladie dans le monde. La tuberculose est ainsi la troisième cause de décès par maladie infectieuse, et ce, par son caractère extrêmement contagieux. Un phénomène qui peut être néanmoins limité grâce à la prévention, surtout en Guadeloupe, qui constitue un territoire à risque aujourd'hui. Autour de nous, il y a des îles où le taux de tuberculose est beaucoup plus important, mais nous, on a environ 10 cas de tuberculose par an. Ce qui semble peu à l'échelle en fait de la France, parce que sur d'autres régions, par exemple l'Île-de-France, la Guyane, les chiffres sont beaucoup plus importants. Nous, on a environ 10 cas par an, mais malheureusement, c'est constant. C'est 10 nouveaux cas chaque année qui sont potentiellement des sources et contaminants pour les autres
C'est des symptômes très généraux qu'on retrouve dans pas mal de maladies. Donc une fièvre qui traîne depuis pas mal de temps, 38, 38,5. La fatigue, on se sent très fatigué depuis quand même un petit moment. On perd du poids, environ 10 kilos. On tousse, pas tout le temps, mais quelquefois la personne tousse. Donc ce sont des signes en fait qu'on retrouve dans pas mal de maladies, mais c'est surtout qui vont durer dans le temps. Un tiers de la population mondiale est à ce jour contaminée, mais à coup de gestes simples et préventifs, la tuberculose sera peut-être un jour éradiquée. Deux écoles de Pointe-à-Pitre contraintes de fermer leurs portes en cause des travaux de dératisation qui commencent aujourd'hui. Cela concerne les écoles Laurie-Sisk et Léon-Fex. Les élèves pourront alors reprendre les cours le 1er avril prochain dans les deux établissements. Difficile de s'en passer aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un accessoire indispensable pour la majorité d'entre nous, mais certains ne le maîtrisent pas encore tout à fait, c'est le cas des personnes âgées. Alors, pour les aider à passer au digital, une association a organisé une formation aujourd'hui à Jarry. Grégoire Trudman s'est rendu sur place. Le téléphone portable est devenu indispensable pour tout le monde. Alors, l'association Solutions Vertes tente de former nos aînés à ce petit objet qui, pour certains, semble venu d'un autre temps. Aujourd'hui, Katie profite de son stand dans ce magasin de Jarry. Moi, je suis toujours resté très classique. Hein. Un téléphone fixe à la maison, pour moi, ça me suffit parfaitement. Et puis là, tout à l'heure, je viens d'essayer de m'immiscer un petit peu avec WhatsApp. C'est quelque chose de très bien, très bénéfique pour tout le monde. Il faut avancer. Et en téléphonie comme ailleurs, ce sont souvent les premiers pas qui sont les plus difficiles. Dans la révolution numérique que nous vivons, le soutien aux aînés est un devoir pour cette bénévole. Justement, on s'est rendu compte qu'avec une évolution tellement rapide des technologies, de la dématérialisation au sein des institutions, je prends le cas de la retraite.fr, Amélie.fr, et puis les impôts qui deviendront bientôt une obligation, ben, il faut faire ce saut digital. Depuis sa création il y a 3 ans, l'association a déjà formé 260 personnes dans une dizaine de communes de l'archipel. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un incendie dévastateur a eu lieu près de la marina hier soir. Nous avons écouté le désespoir de certains habitants. Elle touche chaque jour 30 000 personnes dans le monde. La tuberculose est bien loin d'être éradiquée. Et enfin, une formation pour apprendre à utiliser son téléphone portable, un véritable appui pour le troisième âge. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.